À tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévus, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal, surtout pour y trouver des histoires, Pierre Verrier et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard, au cours de laquelle vous pourrez entendre La chasse du diable, un conte de René Guillot, et Le petit courrier des amateurs de mystères et d'aventures, avec Germaine Beaumont et Roger Régent. L'histoire que vous allez pouvoir entendre ce soir et qui est de René Guillot est intitulée « La chasse du diable ». Je rappelle qu'un tirage au sort, en vue de départager les nombreux auditeurs qui nous ont adressé le fait divers qui l'a inspiré, a décidé que Mademoiselle Colette Laugier, à Salon, recevrait la brochure dédicacée. Messieurs Auguste Sauvert, à Manosque, Gérard Simian, à Marseille, et Gachon, à Miramas, recevront chacun un roman dédicacé par l'auteur. Voici ce fait divers. Singapour. Tout le monde s'interroge actuellement en Malaisie sur l'apparition dans les profondeurs de la jungle de trois créatures humaines, mais qui ressemblent à des singes, qui ont la peau blanche et de longues dents, qui portent une longue chevelure noire pendant jusqu'à la ceinture. Les bizarres créatures ont été aperçues pour la première fois le jour de Noël par une jeune chinoise occupée à saigner des EVA dans une plantation de Trolac, état de Perak. Un autre témoin, qui rencontra les trois étranges créatures, en a fait la même description, ajoutant qu'elles étaient d'assez grande taille et que les mâles avaient des moustaches tombant jusqu'à la taille. Deux patrouilles de forces de sécurité malaises ont été dépêchées à leur recherche. Un caporal de la police les a entrevus au bord d'une rivière, mais il les vit plonger, puis se perdre dans la jungle. Nul n'était mieux qualifié que l'écrivain René Guillot pour parler de la brousse et de ses hôtes mystérieux. En effet, Guillot, né en Saintonge, entre bois et marais, a vécu pendant plus de 20 ans en Afrique noire. Il l'a parcouru de la Mauritanie à la Casamance, de la Guinée au Soudan, au Niger, qu'il a remonté en pirogue de Niamey à Koulikoro. En forêt du Sud, il a vécu la vie des coupeurs de bois. Dans les sables, il a vécu celle des hommes du voile, les nomades du Grand Ergue qui chassent le lion à cheval, à la lance. Et dans les mille bras du Grand Fleuve, il a vécu la vie des pêcheurs qui harponnent l'hippopotame. Couronné grand prix du roman d'aventure pour son roman « Les équipages » de Peter Hill, on espère lire bientôt de lui aux éditions du Masque son dernier roman policier, Bleu de Cobalt, dont l'intrigue se dénoue dans le ciel des astrologues. Mais son activité littéraire, c'est surtout au roman d'aventure pour la jeunesse que René Guillot la donne, spécialement dans la collection Fauves et Jongles qu'il dirige aux éditions Magnard. Parmi ses nombreux ouvrages, je me bornerai à en citer un seul à cause de son titre somptueux, Conte des mille et une bêtes. Mille et une bêtes, les mille et une nuits de la jungle. C'est qu'au fond, la grande passion de Guillot, ce fut toujours la chasse. En forêt, en savane, il a eu ses rendez-vous avec la bête, la vraie, le lion, la panthère, l'éléphant, le buffle, et il est bien probable que sa vieille amie, la brousse, lui a aussi montré la bête inconnue, ses hommes lions, ses hommes panthères, nés du monde surnaturel, comme ces hommes singes de Malaisie qui font le sujet de cette chasse du diable que vous allez maintenant entendre. Alors, John, cette sieste, êtes-vous reposé? Mais assez. Ce ne sont pas les tam-tams qui vous ont empêché de dormir. Alors, j'ai été éreinté. Je comprends ça.
100 kilomètres d'auto à cette saison avec ces routes abominables. Qu'est-ce que vous prendrez? Je meurs de soif. Inoa. Monsieur? Ouais, tu es là, le whisky et la glace. Tout de suite, monsieur. Oui. Qu'en dites-vous, John? Elle est mignonne, ma petite chinoise. Très, très jolie. Vous voyez, on peut encore s'accommoder tant bien que mal dans cette brousse de sauvage, sans que ce soit drôle tous les jours. Allons donc, la Malaisie est un pays extraordinaire. Oh non, John, non. Pas quand on y sue comme moi à pleine peau depuis 3 ans. Oh, pour quelqu'un qui ne fait que passer, je ne dis pas pour un journaliste. La couleur, le suinte, les tam-tams. C'est chaud, ça remue. Ah, ça remue. Oui. Et quand la brousse se réveille, au premier bâillement, on voit ses dents. J'ai peur, mon cher John, que vous ne vous fassiez pas une idée bien nette de ce que c'est que la brousse malaise. Croyez-vous? J'en suis sûr. Oh, je ne sais sans doute pas grand-chose de la Malaisie, maréchal. Mais moi, je connais les jaunes, et ça vaut mieux. Pour les jaunes, le temps ne compte pas, je le sais. Cela ne m'a pas empêché de demander à mon journal à Colombo de m'envoyer faire un tour par ici. Parce que ça a remué, comme vous dites. Oui. J'ai pensé, j'arriverai peut-être avec 10 ans d'avance ou un mois de retard. C'est à risquer, mais je vais aller voir. Et puis... Ah, mais cela, je n'étais pas obligé de le dire à mon journal. Je croyais être sur une piste. Ah, voilà que vous parlez comme un policier. Oh, le journalisme, la police, deux métiers qui se ressemblent. Dans l'un comme dans l'autre, il faut terriblement se méfier de son imagination. Parce que, si je comprends bien, cette fameuse piste sur laquelle vous étiez, c'est finalement effacée en pleine brousse. Peut-être. Oui. Qui sait? Je vais vous expliquer en 2 mots. Avant la Malaisie, nous avons eu des troubles à Ceylan et ailleurs. Mm-hmm. Nous avons mis quelques agitateurs à l'ombre, ceux qui avaient un nom, comme d'habitude. Au bout d'un certain temps, nous les avons relâchés, comme d'habitude. En pays jaune, les meneurs n'ont pas de nom. Et cela, pas besoin qu'on les relâche. Ils passent à travers les murs, ils s'en vont en fumée, ils reviennent à la masse. Il arrive qu'on n'en entende plus jamais parler. Ou alors, comme je disais, 10 ans plus tard. Vous cherchez un homme? Oui, mais cela ne compte pas. J'enquête surtout sur la portée du mouvement. Si je me suis embarqué sur une fausse piste, elle m'aura au moins mené chez vous. Je m'étais promis que ce voyage me donnerait l'occasion de vous revoir. Je m'en faisais une grande joie, vraiment. Et moi donc, mon vieux. Aussi, je vous garde. On parlera du temps où nous nous sommes connus, du temps où tout était permis. C'est déjà loin, la guerre. Oh, pour nous qui avons la chronique maladie de remonter les pendules, oui, c'est déjà assez loin. Allez, parlez-moi de vous, de ce qui vous est arrivé. Rien qui en vaille la peine. D'ailleurs, je vous ai de temps en temps donné de mes nouvelles. C'est vrai. À quelques-unes de mes escales, Indochine, Afrique. Et puis, j'en ai eu assez drôlé, ma bosse. Je suis ici, à l'ancre. Ce qui me retient, vous l'apprendrez vite. Et les caoutchoucs, ça rend? Comme ça. C'est le démarrage. Bon, avec le temps, j'en suis sûr que ça rendra. Mais il faut se battre. Bon, ce n'est pas pour vous déplaire. Bien sûr. Il faut se battre avec ou contre la brousse. En arrivant ce matin, vous avez entendu leur tam-tam? Vous avez vu cette fièvre qu'ils y mettent, mes bons sauvages, à penser chauffer le sang? Ils sont en pleine effervescence. Ah, j'ai toujours eu de la chance. J'arrive au bon moment. Alors? Imaginez-vous que depuis quelques lunes, ça ne bougeait pas. Ah. Oui, un répit. Une brousse muette. Et puis tout d'un coup, voilà mes gaillards qui commencent à se réveiller. Ah. Et on m'estropie mes arbres. Mmh. Le feu prend on ne sait comment dans la plantation. Et ça vous fait de la cendre sur 200 hectares. Une révolte. Oh, pas encore. Mais les cervelles chauffent. Un meneur, bien entendu. Un certain Mao. Il y a 6 mois qu'il travaille chez moi. Et il venait d'une autre plantation. Là-bas, il paraîtrait qu'il a eu des histoires jouées du couteau. 2 morts. Bon, rien. Rien. Nous sommes en Malaisie. J'ai pensé à me débarrasser d'individu. Voyez-vous, John, cette brousse est très intelligente. Quand elle voit ces gaillards qui ne se tiennent plus, qui deviennent tout fous, elle envoie une diversion. Une diversion? Laquelle? La peur, mon vieux, la peur. Ces hommes du bois sont superstitieux comme des chouettes. Ils n'étaient pas très loin de m'abîmer ma plantation, de faire du vilain. Et voilà notre vieille brousse qui vient leur rappeler qu'il faut compter avec elle. Et puis, c'est mystère. Les hommes singes? Voilà. La vieille brousse a décidé, on va calmer ces bons sauvages. On va leur faire voir quelque chose. Et ils ne penseront plus à ficher le feu à la plantation de ce brave maréchal. Et elle leur a fait voir des hommes singes? Non, un homme singe. Oui, un, pour commencer. Et savez-vous qui le premier a vu la bête? Mais vu ce qui s'appelle vu. Vous ne devinez pas? Non. Eh bien, c'est moi. Oh. Oui, moi. Et puis j'en ai parlé à Inoa. C'était suffisant. Quelques jours plus tard, j'ai fait un petit tour en forêt avec mes mignoles. J'avais mon fusil. J'ai battu la broussaille. Et comme je m'étais éloigné un peu,
J'ai entendu un grand cri. J'accours, la fillette était à moitié évanouie. La bête l'avait frôlée. La bête l'avait touchée à l'épaule. Un contact qui donne la première tache de lèpre, disent les sorciers. Et, vous comprenez, avec ces bêtes surnaturelles. Vous parlez sérieusement? Vous croyez aux hommes singes, vous, maréchal? Oh, vous n'avez rien compris. Dites tout de suite que vous les avez inventés. Mais naturellement, mon cher John, naturellement, je les ai inventés. Qu'est-ce qu'il y a, Agnès? C'est un sergent de la police, monsieur. Ah bon. Ben, vous voyez, John, le district commence à s'émouvoir, les nouvelles vont vite, on envoie de la force. Entrez, sergent. Entrez. Merci, maréchal. C'est moi, sergent. Alors, vous êtes venu faire une petite expédition dans notre brousse? J'ai reçu des ordres pour information. Rien que pour information, malheureusement. Pas moyen de poursuivre la chasse. La chasse? Non. Vous entendez, John? Vous avez vu les hommes singes, sergent? Mais naturellement qu'il les a vus. Ils étaient combien, sergent? Trois, monsieur, trois. Pas moyen de tirer. Je mets en joue et plouf, ils se jettent à la rivière. Ah. Et puis, fini, rien. Ah, ils ont dû nager entre deux eaux. Ah là là. Mais pourquoi ne vous installez-vous pas ici, sergent? Vous reprendriez la battue demain? Pas d'ordre, monsieur. Il faut que je rentre. Pas d'ordre. Au district, monsieur, il n'y croit pas aux hommes singes. Ah. Vous reviendrez, sergent? Bien sûr, avec des ordres. Au revoir, monsieur. Au revoir, sergent. Vous l'avez entendu, John. Moi, je n'en avais vu qu'un. Lui, il en a déjà vu trois. Que voulez-vous demander de plus? Comprends pas. Ah, vous comprendrez, soyez tranquille. Mais quand il sera revenu, l'autre, là, avec ses ordres, j'aurai réglé tout seul mes affaires. Et je n'aime pas que la police s'en mêle. Mon meneur, donc, s'appelle Mao. Mais je me suis juré que j'aurais sa peau. Et grâce aux hommes singes, dans ce pays de superstition, ils sont prêts à croire, tout comme des Noirs. Chez les Noirs, ils ont les hommes panthères. Vous commencez à y venir. Et les Malais s'imaginent vraiment que ce ne sont pas des bêtes, mais des hommes qui, par sortilège, se changent en bêtes. Bien sûr. Alors suivez-moi. Supposez qu'un salopard, comme mon Mao, soit de ceux qu'on soupçonne de cette magie. Il entre dans la catégorie de ceux qui font peur à tout le monde. Et si je l'emmène à la chasse? Si je l'emmène à la chasse et qu'il n'en revienne pas. Quoi? N'oubliez pas qu'il a pas mal de sang sur les mains. Vous n'avez pas changé? Non. John. Là. Regardez, là, le grand qui passe, juste devant la véranda. C'est lui. Mao? Voilà, chef. Viens un peu ici, Mao. Dis donc. Tu n'as pas peur, toi, des hommes singes? Non, chef. Demain, si je te demande de venir faire un tour avec moi dans le bois, pour voir, pour voir si ça tombe à Balois chevrotine, tu m'accompagneras, Tu es chasseur, toi, Mao. Oh, oui, chef. Tu me prêteras un fusil? Tu auras un fusil. À demain. À demain, chef. Oh, le salaud. Bien entendu? Voilà. Le regard droit, le rire qui brille. La plus franche crapule que je connaisse. Deux saignées sur la conscience. Sur la conscience, enfin. Sur les mains. Ouais, il a des mains faites pour le couteau, ce gars-là. Alors, John? J'écoute. Mais non, justement, vous n'écoutez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a... Good Lord. Il y a que je ne peux pas me tromper. Cet homme, votre Mao... Eh bien? Non, je ne me trompe pas. C'est l'homme de Ceylan. Tous les journaux ont donné sa photo. C'est lui. C'est lui qui a pris la brousse. Mais ne vous excitez pas, mon vieux. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, moi, qu'il soit de grande classe, là, votre passe-muraille? Mais ça change tout. Mais ça ne change rien. Mais il faut le donner à la police, rattraper le sergent, vite. Ou alors, avec l'auto, faire prévenir le chef-lieu. Non. Mais réfléchissez. Non. J'aurai réglé moi-même cette affaire demain. Mais il peut s'en passer des choses d'ici demain. Évidemment. Le gaillard a vu le sergent de la police, il vient de vous voir chez moi, où il ne passe jamais personne, où s'il est un peu sur l'œil, il peut nous jouer la fille de l'air. Ben, c'est un risque à ne pas courir. Je prends le risque. Demain, j'emmènerai Mao à la chasse. Et il n'en reviendra pas. Il n'y aura personne dans le village pour s'attendrir sur son cas, absolument personne. Le village retrouvera la paix. Et mes caoutchoucs n'auront plus peur de flamber. Vous devez bien savoir, John, que je règle toujours mes affaires moi-même. Soit, vous êtes chez vous. Oui, maintenant, allons faire un tour. Inoa, tu es prête? Il y a longtemps que je suis prête. T'es toujours là, toi. Et tu as toujours aussi peur parce que la bête t'a touché? Oui. Oui, ben, le docteur va te voir. Allez, je vous emmène à Mehini. Vous, mon vieux John, vous allez faire connaissance avec notre Sovarov. Sovarov? Oui, un cinglé. Oui, et un monsieur. Il fait des recherches sur la lèpre. Il y a 20 ans qu'il est installé à Mehini. C'est à une demi-heure d'auto.
Là-bas, il a des laboratoires, fait tout à service. Et collant à lui comme son ombre une drôle de fille, une slave aussi, Tania. Sa femme? Non, son assistante. Sa femme, vous la verrez. Des yeux, une bouche. Une jolie honte toute secrète de refuser le plaisir et d'en mourir d'envie. Elle a au moins 25 ans de moins que lui. Ben, Inoa, qu'est-ce qui te prend? Je veux plus aller là-bas. Voilà ma petite soeur qui est encore jalouse de la dame. Oh. Allez, en route. Yac! Voilà, patron. Et embarquez, Yac. Et pas plus vite que quand je conduis. Pendant ce temps, elle chante. Il est encore bon qu'elle chante, c'est de son âge. Je pense que j'ai fait la folie... De l'épouser. Peut-être. Et de l'emmener dans ce pays perdu. Alors, Tania, tu ne vas pas l'empêcher de chanter. C'est un oiseau. Oui, et pas de barreau à la cage. Mais qu'est-ce que tu as à la fin? On ne peut pas empêcher une jeune femme. Oh, et puis rien. Mais qu'est-ce que tu veux empêcher? À qui fais-tu allusion? Maréchal? Oui, maréchal. On ne voit plus que lui ici. Assez là-dessus. Je t'ai défendu de me parler de maréchal. Et crois-moi, Tania, maréchal sait mieux que quiconque que je ne suis pas de ces maris à qui on vole leur femme. Le service, comment va le 17? Mal. Ah, je m'en doutais. Grosse réaction, la fièvre monte. Ah, il n'y a pas de miracle. Celui-là, je ne le sauverai pas. Tu veilleras cette nuit. Et l'autre, là, le petit? Le 14, il réagit très bien. Ah, tant mieux. À propos du 14, il faut que je sache. Qu'est-ce que vous avez essayé sur lui? Essayer, qu'est-ce que tu veux dire? Essayer quoi? Peut-être ce que vous expérimentez, en vous cachant de moi. En me cachant? Pourquoi me cacher? En vous cachant, oui. Et ces expériences, vous les faites sur qui? Dites, Serge, sur qui les faites-vous? Pas sur vous. Mais tu es folle. Pourquoi est-ce que vous jouez à me faire peur? Allons, Tania, voilà 20 ans que nous travaillons côte à côte. Jamais je n'ai été si près de trouver. Oui, trouver, guérir la lèpre, moi, Sovarov. Parce que je trouverai. Et si je ne trouve pas, ce sera Mercier, ce sera Jansky. Ils cherchent, eux aussi. Ils cherchent sur mes données. Ils croient au succès, et pas toi. Je trouverai, Tania. Et regarde-moi, de quoi as-tu peur? Je ne sais pas. Je vous sens inquiet, tourmenté. Là. Bah, allons donc. Serge, je n'ai pas donné assez de gages. Ne suis-je pas assez votre ami? Confiez-vous. Mais je n'ai pas de secret. Une dernière fois, Serge. On ne sauve pas les malades malgré eux, quelle que soit leur maladie. Vous le savez mieux que personne. Mais moi, je devine. Je devine, Serge, à quoi vous pensez quand vous vous interrogez votre image, quand vous vous interrogez comme ce matin dans une glace qui ne répond rien. Oh, Tania. Même en se fixant longtemps dans une glace et dans les yeux, je vous jure, Serge, que l'on ne voit jamais la face que l'on aura quand on sera mort. Tania. Ah oui, toi, tu es bien l'ami, la fidèle. C'est peut-être une femme comme toi qu'il m'aurait fallu. Je suis votre assistante. Qui est-ce? Que voulez-vous que ce soit? Lui? On ne l'avait pas vu depuis 2 jours. Moi, je m'en vais faire ma tournée. Et passe au 17. Naturellement, je commence par là. Ah, bonjour, maréchal. Bonjour, docteur. Mon ami, John Marsh, journaliste. Très heureux. Très heureux, docteur. Et enchanté, monsieur. Et vous connaissez la petite? Approche-toi. Approche-toi, Inna. Voyez comme elle tremble. Et c'est à cause d'elle que j'arrive chez vous sans crier gare. Et vous voulez que je la rassure? Oui. Oh, je pense que ce ne sera pas difficile, je suis déjà au courant. Approche-toi. C'est la petite qui a vu la bête. Oui, n'aie pas peur, mon petit. Enlève ton châle. Là, oh, elle claque des dents, ma parole. Oui, voyons oui, ça, oui. Voyons ça. C'est ici que la bête t'a frôlé? Oui. Mais n'aie pas peur. Et tu as montré cela au sorcier? Oui. Et le sorcier t'a fait peur avec le vilain mal, dit. Allez, rhabille-toi. Souris-moi un peu. Ah, ces vilains sorciers qui s'amusent à faire peur aux petites fleurs. Mais tu n'as rien, tu entends, fillette, rien. Imagine-toi que tu as fait un mauvais rêve et que tu ne l'as pas vu, l'homme singe. Regarde-moi. Tu ne l'as pas vu.
Et puis tu n'aurais pu te promener dans les bois, voilà. Tu es guéri. Voyez, maréchal, moi aussi, je suis capable de jouer au fakir. Certainement, docteur. Cette petite pourrait aller au jardin. Ah, c'est ça. Inoa va nous attendre dans l'auto. Inoa, tu n'as plus peur. Le sorcier a dit... Oui, allez, va, mon petit, va. Ouais, il faut le temps qu'elle oublie. Naturellement, la petite n'a rien. Même le contact des lépreux ne donne pas la lèpre. Alors, les hommes singes... J'ai appris, maréchal, que vos caoutchoucs avaient flambé. Ah. Je vous avais prévenu dès votre arrivée à Trolac. C'est beau de mener les gens à la caravache, mais notre brousse est sauvage. Chacun sa manière, docteur Savaroff. Je suis peut-être une brute, oui, mais... Surtout un joueur, vous êtes un joueur. Vous avez deviné ça? Pas difficile, parce que, voyez-vous, moi aussi, à ma manière, je suis joueur. Nous ne misons pas sur le même tapis. Ce qui nous distinguerait plutôt, c'est que moi, maréchal, je n'aime pas perdre. Moi non plus, docteur Savaroff. Je donne quelquefois la main à la chance, mais je la laisse gagner. Ce n'est pas gagner qui est intéressant. Ah, quoi donc? D'être amoureux de la fortune, comme d'une femme. De lui passer ses caprices, mais pour mieux la prendre. Ouais. Si nous revenions aux bêtes de nos bois... Les hommes singes, hein? Là aussi, je suis sûr de gagner. Je suis de moitié avec la brousse, je joue avec elle. Bonne chance. À quand la battue? Car je pense bien que vous allez faire une battue. Demain. Ne serez-vous des nôtres? Vous êtes un fameux fusil. Oh, j'étais. Je vous aurais volontiers accompagné. Je ne suis encore jamais allé à la chasse à l'homme, mais je pars en tournée 3 jours. À ce sujet, je ne vois que vous pour me rendre ce service. Mais volontiers, si je le puis. Il s'agirait de me dépanner. Ma voiture roule sur les toits. Oui. Il me faudrait 2 pneus. Je vous rendrai cela. Mais quand vous pourrez. Je vous les fais porter ce soir ou demain. J'aimerais mieux ce soir. Je veux voyager de nuit. Cela ne vous ennuie pas? Pas du tout, rien. Vous aurez vos pneus tout à l'heure. Nous rentrons et je vous les envoie aussitôt par le chauffeur. Merci. Et bonne route. Et bonne chasse. Oui. Oh, je suis inexcusable. Je vous en prie, docteur, présentez mes hommages à Madame Savaroff. Et dites-lui que je ne puis plus lui envoyer de fleurs. Le soleil a complètement grillé mon jardin. Oui. Nous partons, John, en route. Au revoir. Au revoir, docteur. Au revoir, docteur. Entendu, comptez sur moi pour les tenir. Au revoir. C'est vous, Serge? Oui, c'est moi, Françoise. C'est Maréchal qui était ici? Oui. Serge, je suis un peu inquiète à cause de vous. Regardez-moi. Est-ce vrai que vous avez des soucis? Mais non, où vas-tu chercher cela? Vous ne devinez pas? Eh bien, c'est en regardant Mademoiselle Tania. C'est un étonnant miroir que Mademoiselle Tania. Dites, Serge, est-ce que vous savez pourquoi Mademoiselle Tania ne m'aime pas? Il ne faut pas demander aux gens plus qu'ils ne peuvent donner. Je comprends très bien, tu sais que tu veux y compter. Mais... Et Tania, dans toute sa vie, n'a trouvé le temps d'aimer personne. Sauf vous, Serge. Sauf moi, oui. C'est une passion, petite fille, dont tu ne saurais être jalouse. Voyons. Est-ce que je suis jaloux, moi? Mais de qui seriez-vous jaloux? Vous ne répondez pas. Ah, je vois. Tania, encore Tania. La langue de fiel de Tania. Serge. C'est à Maréchal que vous pensez. Laisse Maréchal. Maréchal, est-ce que ça compte? Allons donc, une femme comme toi. Mais tu ne vas pas pleurer. Nous vivons dans un pays perdu. On est mangé jusqu'au moelle et voilà la vie que j'ai choisie pour toi. Je suis le seul coupable. Serge, écoutez-moi. Le seul coupable, c'est moi. Il faut me pardonner. Je n'ai jamais pris le temps de vivre. Le métier, les soucis, c'était mon sort. Et ce serait à refaire... Je ne vous reproche rien. Dans le fond, je lui ressemble, tiens, à ton maréchal. Serge! Mais pardon. Mais c'est vrai. Même espèce de joueur. Lutter. Toujours jeter un défi à la chance, à l'amour. Un autre comme moi dirait que je t'ai perdu. J'étais heureuse. Eh oui, tu étais. Et un jour, fatalement, tu devais rencontrer un gaillard comme maréchal et avoir à te défendre. Je vous jure, Serge... Ne jure pas. J'ai honte.
De quoi? D'avoir été ému, troublé par un homme? Est-ce que tu l'aimes? Je ne sais pas. Je te demande. Allons, Françoise, réponds. C'est vrai? Tu n'étais pas loin de lui céder? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, allons. Mais non, je ne sais pas, je ne sais plus. Moi, j'étouffe dans ce pays, dans cette brousse, cette fièvre, ce silence, ces bois, cette maison du mal. Et Tania, Tania! Non, j'en puis plus. J'ai lutté. Mais à quoi se raccrocher? À qui? Et je sais, Françoise, que tu n'es pas faite pour vivre dans ce climat. Et rien que pour ta santé, je t'ai proposé 20 fois de rentrer en France. Oui, mais seule. Et naturellement seule. Comment veux-tu que je t'accompagne? Mon travail est ici. Mais toi, tu n'as jamais accepté de partir. Vous savez bien qu'en France, je n'ai plus personne. Et ici? Ici? Oui, ici. Serge! Veille, il est encore temps de te reprendre. Allons, allons, pas de larmes. Il n'est pas trop tard. C'est une mauvaise passe pour nous deux, mais je suis là. Je ne vois pas ce qui m'a retenu une bonne fois d'avoir avec Maréchal une explication nette, mais je l'aurai, sois tranquille. Je lui ferai comprendre. Mais quoi, Serge, quoi? Ah, ça me regarde. Mais je te promets qu'il comprendra. Et puis, tous deux, toi et moi, nous parlerons. Nous avisons. Je m'en vais maintenant, Tania m'attend. J'ai encore beaucoup à faire et je voudrais qu'on serve le dîner de bonne heure. Je compte me mettre en route avant la nuit. Bonsoir, Françoise. Attendez, John. Cette fois, c'est la vraie fièvre de brousse. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont danser pour les dieux de la peur. Ah. Et aussi pour ceux qui en délivrent. Oui. La nuit ne va pas tarder à tomber. Tout d'un coup, comme un rideau sur une pièce. Ailleurs, au théâtre, c'est que la pièce est finie. Ici, elle commence. Inoa. Il y a le dessert, puis le café. Je donne les liqueurs. John, liqueur? Non, merci. Alors, pas de liqueur. Et va dire au chauffeur que je veux l'auto devant la porte, dans 2 minutes. L'auto est là, mais Yak est parti au village. Quoi? Oh, je l'avais pourtant prévenu. Il a voulu lui aussi être du grand tam-tam. Bah, tant pis, je conduirai. Mais vous, mon vieux John, vous allez vous ennuyer ici. C'est une balade en brousse vous chante. Mais on va prendre le fusil. Il y a toujours une biche qui passe dans les phares. Ou une biche, ou un lapin. Allez, vous vous amuserez à les tirer, je vous emmène. Ok. Attention, le fusil est toujours chargé. Allez, en route. Je ne vais pas faire de peine à la petite. En vous emmenant, elle va croire à une balade. Ah, attention. Il y a une mare pas loin. Les bêtes viennent boire. Ah! Adi! Vous l'avez vu? Ouais. Quoi? Ben, la biche? Non. Elle n'a fait qu'un bond. Ben, hélas, lapin. Oh, je ne tire pas les lapins. Oui, lapin. Ben, nous arrivons bientôt. Je vais tourner, entrez-moi dans cette petite allée-là. La gauche, puis je m'arrêterai. Je ne serai pas long. Je m'attendrai bien un peu. Mais oui, je vais faire quelques pas sur la route. Oui, mais pas de blague, attendez que la voiture soit arrêtée. Mon vieux John. Farceur. Ah, je vais vous dire un secret. J'ai rendez-vous avec une dame qui ne m'attend pas. Je ne vous posais pas de questions.
Quel dommage que le soleil ait grillé toutes les fleurs de votre jardin. Toutes, oui, toutes. Eh ben voilà. Ah. À tout de suite. À tout de suite. C'est vous, Serge ? C'est moi. Qui est là ? Moi, Maréchal. Vous ? Oui. Et votre porte qui n'est même pas fermée. Pensez-vous que ce soit prudent ? Allons. Je ne vous fais pas peur. Non. Vous m'attendiez ? Non. Allons, allons. Avouez que vous m'attendiez. Non ! Vous voudriez que je m'en aille ? Non. Avec vous, je m'attends à tout. Mais puisque vous êtes là... Nous allons parler. Oui. De vous. Et de moi. De vous seulement. Je vous l'ai dit, je redoute tout de vous. Tout. Pourquoi vous acharnez-vous ? Pourquoi m'obligez-vous à me défendre ? Pourquoi ? À vous défendre... De vous ? Si c'était vrai. Vous m'attendiez, Françoise. Vous étiez sûre que je viendrais, comme la dernière fois. Allez-vous-en. Oui, allez-vous-en ou vous appelez pour que Tania vienne. Si vous me poussez à bout. Vous n'appellerez pas. Tout à l'heure, vous vouliez que je reste pour que nous parlions de moi. Comme si je pouvais parler de moi, Françoise, sans parler de vous. Ah, si je vous avais rencontré plus tôt. Si j'étais... Enfin, si je n'étais pas l'homme que je suis. Mais je croyais que vous m'aviez compris, que vous consentiez à ce que je vous vienne de loin, d'un passé. Ah, qu'a-t-on bien pu vous dire de ce passé dont je n'ai pas honte ? François... Non, laissez-moi. Vous tremblez. Vous tremblez comme si je vous faisais peur. Françoise, vous savez bien que je vous aime. Vous le savez. Et que vous êtes prête à m'aimer, Françoise. Mais chacun de vos silences est un aveu. Regardez-moi. Comment pourriez-vous me tromper ? Vous n'avez même plus le courage de vous tromper vous-même. Et cette vie, hein, qu'on vous fait mener ici... Je l'ai acceptée. Oh, ce n'est pas vrai. Vous savez bien que ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas heureuse, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Parce que je vous aime. Vous, Françoise, ici dans cette brousse perdue. Oh. Pour qui êtes-vous belle ? Ben, je vous le demande. Pour qui ? Taisez-vous. Pour qui êtes-vous belle ? Je vous en supplie, allez-vous-en. Mais vous savez bien que je reviendrai. Eh bien, oui, vous reviendrez. Oui, mais pas ce soir. Ne voulez pas me tourmenter. Vous voyez bien que je suis à bout. Je n'en peux plus. Écoutez. Quoi ? Oh, quoi ? Oh, Françoise. Oh, de toute façon, vous pensez bien qu'il faudrait autre chose pour m'intimider. Oh, j'avoue qu'un instant, là... Oui. Et en supposant que Savaroff revienne. Dites, hein ? J'aime aussi ce jeu-là, entre hommes. Mais votre mari est en route. 3 jours, Françoise. 3 jours dont je rêve depuis un mois. 3 jours et... Et puis la vie. La vie que je voudrais vous faire si vous étiez libre. Vous oubliez vite, Françoise. Croyez-vous ? Alors si, vous oubliez vite. Pas moi. Je me souviens. C'était ici, il n'y a pas un mois. Comme vous étiez ému. Autant que ce soir. Nous avons parlé du bonheur. Ouais, toujours le même, celui qu'on refuse. Mais pourquoi est-ce qu'on le refuse ? Vous avez pleuré. Mais vous ne pouvez pas avoir oublié. Vous étiez dans mes bras. Et c'est moi, Françoise, c'est moi qui suis parti, heureux.
plein de vous. Avec mieux qu'une promesse. Si vous m'aimiez, maréchal, si vous m'aimiez vraiment... Ah, ah, enfin, je vous retrouve. Je ne vais pas vous faire de peine, hein. Je vais vous laisser, oui. Donnez-moi vos mains. Vos yeux. Ah, je sais bien aller que pour vous, cela ne compte pas, tout ce qu'on a pu dire sur moi. Mais c'est vrai, hein. Tout est vrai, vous m'entendez? Tout. Le forban, celui qui a été obligé de se cacher, celui qui a toujours vécu en marge, tout ça, c'est la vérité. Avant de venir en Malaisie, j'ai été 20 fois à la côte. Je m'en suis tiré en m'accrochant à des planches pourries. Oh, je suis un risque tout. Ah, mais c'est le passé, ça. On efface. Oui, on efface. Mais pas tout seul. Il faut que quelqu'un vous aide. Et il faut que vous m'aidiez, Françoise, il faut que vous m'aidiez. À nous deux. Ah, vous ne savez pas ce dont je suis capable pour vous. Je vous dérange? Serge! Françoise, laisse-nous. Ah, je comprends les pneus. Oui. Ce matin, vous avez tenu à me prévenir. Vous pouvez penser ce que vous voudrez. Si nous nous expliquions clairement une bonne fois. Vous voilà, vous avez voulu savoir, vous êtes fixé. Je savais que rien ne vous arrête. Rien. Avec vous, Savaroff, on ne sait jamais qui on a en face de soi. Oh, avec moi comme avec les autres, tout le monde triche. Non. Si, tout le monde triche. Pas moi. Vous aurez l'occasion de vous en apercevoir bientôt. C'est peut-être vrai. Après tout, vous êtes jeune, cela fausse le jeu. Je vous avertis que je suis bien décidé à ce que rien ne le fausse plus. Vous avez provoqué cette explication. Non. Et je ne me dérobe pas. Je compte bien m'expliquer avec vous, mais pas ce soir. Je ne suis pas revenu pour vous surprendre ici, dans ma maison. Cela ne me ressemble pas. Mais c'est vous qui avez dit que tout le monde trichait. Même avec le bonheur, je ne m'en dédie pas. Non. Regardez-moi. Mais... Qu'est-ce que vous avez? Je ne sais pas ce que je donnerais pour que vous n'ayez pas été le témoin de ça. Oh, mais enfin, mais qu'est-ce que vous avez? Oh, rien. Une faiblesse. Je sais ce que c'est. Rien. Oh, qu'est-ce que ça va se passer? Mais voyons, si vous buviez un peu... Oh, merci. Oui, est-ce que vous vous sentez mieux, oui? Oui, un peu. Je m'excuse. Oh, je vous en prie. Oh, c'est bientôt fini. Mais tout à l'heure, oui, en pleine brousse... Ça vous a pris sur la route? Juste avant Terouane. Et sans chauffeur, comme d'habitude. Et l'auto? Oh, presque rien. Au tournant, vous savez, le bouquet d'arbres, la mare, enfin, le fourré a amorti le choc. Vous alliez vite? Bien sûr, avec cette tôle ondulée, 80. Ah oui, évidemment. Et tout d'un coup, un nuage sur les yeux. Et puis, je ne sais plus. Le cœur? Oui. Oh, ce n'est pas le premier avertissement. Je ne sais comment j'ai pu revenir. Et voilà. Cigarette? Oh, vous n'allez pas fumer, non? Oh, bien sûr que si. Au point où j'en suis. Écoutez, je voudrais... Pas besoin d'inquiéter qui que ce soit. Il faudrait que tout ça reste entre nous. Vous pouvez y compter. Bien. Whisky? Non, ne buvez plus. Allons, laissez ça. Oh, le dernier pour relancer la mécanique. Oh. Et il va falloir que je vous laisse. Oui. Mais vous n'aurez besoin de personne? Ah, surtout non. Un moment, j'y pense. Demain. Oui, je reviendrai, entendu. Nous parlerons. Non. Alors? Mais on sait bien demain que devait avoir lieu cette battue. Quoi? Cette chasse à l'homme, enfin, aux hommes singes, Je veux en être. Oh, vous n'y pensez pas. Ah, jusqu'à ce soir, en effet, je n'y pensais pas.
Mais vous ne pouvez pas me refuser ça, n'est-ce pas, maréchal? Vous ne pouvez pas me refuser ça. Dans l'état où vous êtes... Demain, je suis sûr d'aller mieux. Il faut que j'aille mieux. Voyons, à quelle heure le départ de bonne heure? Au jour. Je serai à Trolac chez vous avant le jour. C'est de la folie. Ce n'est pas moi qui vous ferai attendre. Avez-vous des forces de police? Non, naturellement. On conduit mieux sa chasse soi-même, sans témoin. Alors, à demain. Ce sera la première fois, Savarov, que nous chasserons ensemble. Eh oui, c'est vrai. Ce sera aussi la dernière. À demain, maréchal. À demain. Et au jour. John. Hein? Vous êtes là, c'est moi. Ah, voilà, je suis là. Je me suis un peu attardé. Ah, en route. Les accus sont morts, là. Je n'ai presque plus de phare, on n'y voit rien du tout. Là. Avec la lune, ça va. Dites, maréchal. J'écoute, oui. Pour demain. Eh bien. Vous avez bien réfléchi? Doucement. Je l'ai pris sur l'aile. Vous êtes un peu nerveux. Je ne suis jamais nerveux. Je m'excuse, maréchal, d'insister, mais... Mais, John, je ne reviens jamais sur ce que j'ai décidé. Vous auriez pu en parler posément. Attention! Mais à quoi? Non, good lord, là où tourne au milieu de la route. Mon Dieu, là! Oh, le salaud! Regardez là-bas! Attention! Couchez-vous! Mais couchez-vous donc, mon Dieu! Baissez-vous, au moins, baissez-vous! Braquez à gauche! Oui, braquez à gauche! À gauche! Oui, braquez les phares! Baissez-vous! Arrêtez! Oh! Ah, ben, voyez. Kick. Il est tombé, là, je crois qu'il en a. Ah oui, éteignez-le. Attendez, ne bougez pas. Êtes-vous blessé? Bon, à la main, ce n'est rien. Et vous? Non. Il faudrait aller voir. Oui, allez voir. Mais qu'est-ce que j'ai fichu de ma lampe de poche? Mais n'allumez pas! Regardez là, en face, dans la direction de l'arbre. Est-ce que vous le voyez? Oh, mal, très mal. Attention, faites attention. Il ne bouge plus, vous pouvez allumer. Oh! Par exemple, Mao. Oui. Oh, ben, vous ne l'avez pas raté. Attendez. Aidez-moi, il faudrait que vous m'aidiez à le soulever. À nous deux. Oui, on y arrivera peut-être. Allez, attendez. Passez devant. Oui. Pouvez-vous ramasser le fusil là? Voilà. Oui. Eh ben, il m'avait volé une de mes carabines. Vous y êtes? Oui. Oui. Ça va? Oui. Bon. Juste avant la maison, la route longe le poteau-poteau, là. Une marnière qui ne rend jamais rien. Allez, marchez doucement. Hein. Oui, je vous suis. Encore un peu de café. Pas de café. Alors? Oh, je vous ai tout dit, vous en savez autant que moi. Je comprends pourquoi vous étiez nerveux au volant. Et tout ça pour une femme. La femme en vaut la peine. Quelle heure? 5 heures. On ne dormira pas cette nuit, allez. Enfin, que pensez-vous de tout ça? Que voulez-vous que j'en pense? Je ne connais pas Sovarov. Vous ne vous imaginez tout de même pas qu'il serait capable... De quoi? Dites. De chercher un règlement de compte en brousse. Je sais pas. Mais tout ça est louche. Vous n'avez tout de même pas coupé dans ces histoires de vertige. Oh, oui. C'est peut-être un malade. C'est même certainement un malade. Certainement. Mais pas comme il le dit. J'ai repéré ça du premier coup, à sa face de pain de mie. Croyez-moi, c'en est un qui se pique ou qui se drogue. Non. Il y a tout de même 3 ans que je le connais. Vous voulez mon avis? À votre place, je laisserai tomber. La chasse? Naturellement. Vous aimez mieux risquer de faire du vilain? Allons, mon vieux, ne joue pas avec les fous. Cette chasse, d'ailleurs, n'a plus aucune raison d'être. L'affaire Mao est classée. C'est Mao que vous deviez mener à la chasse, pas Sovarov. Je le répète, laissez tomber. Et puis, lui aussi, le monsieur, depuis hier soir... Il aura peut-être eu le temps de réfléchir. Allez, attendez. Et voilà qui se réveille, les sauvages. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Ce n'est plus à moi de décider. Oh, you're crazy. Vous êtes extraordinaire, tonnerre. Il faudrait tout de même sortir de là. Mais restez à peu près de moi, là. Où allez-vous? Je regarde.
vieux, il n'est pas en retard. C'est lui, déjà? C'est lui. Allez, du calme, mon Dieu, laissez-le venir. Je suis calme. Ben, surtout, je vous en prie, ne vous mêlez pas de ça. D'accord, mais je reste ici. Le voilà. Il vient. Ouais, je vois. Bonjour. T'es frisqué, hein? Ah, à ce que je vois, personne n'aura beaucoup dormi cette nuit. Alors, on devait aller à la chasse. John. La chasse est faite. Imaginez-vous, docteur, qu'il est arrivé un accident à un certain Mao. Vous comprenez? Je crois. Mais qu'est-ce que cela change? Le village ne connaissait pas le prétexte. Pour ces gens, il n'a jamais été question que d'une battue aux hommes singes. Il faut qu'ils aient leur battue. Ne serait-ce que pour constater qu'il ne rencontre pas la bête. Et puisque Mao, le meneur, n'est plus dans le jeu, la vieille brousse va revenir au calme. Maréchal, est-ce que notre ami devait nous accompagner en brousse? Certes. Je vous aurais accompagné si la chasse avait eu lieu. Mais elle aura lieu. Je voudrais qu'on s'explique clairement. Je vous en prie, John. Alors, docteur? Ce n'est pas facile à dire. Je m'en doute. Puisque monsieur doit rester entier entre nous, je voudrais sa parole qu'il n'y a plus ici de journaliste. Ah. Vous avez ma parole. Maréchal, je vous demande de ne pas décommander cette chasse. Eh bien, soit. J'ai besoin qu'elle ait lieu. Hein? Oh, et puis il faudra bien y arriver. Maréchal, il faut que je disparaisse. Quoi? Il faut que je disparaisse proprement. Non, laissez-moi dire maintenant. Je ne reviendrai pas de cette chasse. Pas de mots inutiles. Il faut que tout cela soit réglé très vite. Je suis au bout du rouleau. Je n'en ai plus pour une semaine. Et il y a 3 personnes qui ne doivent pas se poser de questions. 2 qui y répondraient. Mes collègues, le docteur Mercier et le docteur Jansky, ils sont au courant de mes travaux. Enfin, Tania, mon assistante, elle n'a que des soupçons. Voilà 20 ans que je fais des recherches sur la lèpre. Vous avez compris? Non. Les derniers essais, je les ai faits sur moi. Sur vous? Oui. Pouvoir se donner le mal, ce serait presque pouvoir le guérir. Mais... malheureusement, mes recherches ne sont pas encore au point. Et pourtant, je suis sûr de moi. Vous entendez, sûr. J'étais tout près de trouver. Il manque un rien. Et d'autres trouveront. Mercier, Jansky, eh oui, eux, ils trouveront. Mais vous comprenez, il faut qu'ils aient confiance. Il ne faut pas qu'ils doutent de la méthode. Ma peau ne compte pas. Voilà, est-ce que vous comprenez maintenant? Je crois. Je ne peux pas mourir dans un lit. Et il ne faut pas que les autres sachent que j'ai fait ces essais sur moi et qu'ils ont échoué. Il faut qu'ils cherchent encore après moi. Et ils trouveront. Maréchal, j'ai besoin de vous. Je vous écoute, docteur Savarov. Ce matin, en brousse, nous nous éloignerons, tous deux. Oui. Nous perdrons volontairement la chasse. Quand nous serons assez éloignés, vous me quitterez. J'ai sur moi ce qu'il faut pour ne pas souffrir. Curare. Bien. Vous reviendrez seul au camp. Mais on ira à votre recherche. Et c'est vous qui guiderez ces recherches. Ailleurs, loin de l'endroit où je serai resté. Hein. Le temps, vous comprenez que... enfin, le temps que les bêtes, les vraies, aient fait leur office. Je pense, pour éviter que les personnes se fassent des idées, enfin, puisqu'il est question de se perdre en brousse, moi qui ne suis pas du pays... Merci, vous avez raison. Non, ce n'est pas vous, maréchal, qui m'accompagnerez, mais votre ami. Encore un mot. Tania, elle, aura toujours le métier, elle n'est pas en peine. Mais je laisse quelqu'un. Savarov, je ne... Je laisse quelqu'un qui refera sa vie
Françoise. Elle est si jeune, Maréchal. J'entends, je comprends. Mais je voudrais partir tranquille. J'entends, docteur Sobarov. Oui. Merci. Alors, si vous êtes prêts, messieurs... La chasse du diable, nouvelle radiophonique de René Guillot, était interprétée par Louis Arbessier dans le rôle de Maréchal, Jean Brochard dans le rôle du docteur Sovaroff, Jacqueline Rivière, Françoise et Jacques Ling, le journaliste John Marsh, avec René Garcia, Nelly Delmas, Kidu Yen et Vantou. Bruitage Gabriel de Rivage, prise de son Jean Godet. Si l'existence des hommes singes reste encore incertaine, il n'en est pas de même de celle des fauves qui hantent encore les lointains territoires d'outre-mer. Témoin ce fait divers qui nous est transmis par Madame Sorin, une fidèle auditrice de Marseille. Addis Abeba. Depuis quelques jours, plusieurs habitants de la ville d'Irdawa, poste important sur la ligne de chemin de fer, ont été attaqués par des lions. Pris en chasse, le lion a été abattu dans la région de Ourso. Dans sa tanière, on a découvert 7 crânes humains. Terminons par un fait divers moins troublant et plutôt courtelinesque. Verviers, le président d'une chambre correctionnelle, a refusé d'entendre le témoignage d'une femme qui s'était présentée à la barre, vêtue d'un pantalon long. L'avocat qui avait cité ce témoin a fait valoir que cette femme avait quitté l'usine où elle travaillait pour se rendre directement au palais de justice, manifestant ainsi de la déférence plutôt que de la désinvolture. Ce fut en vain. Le président n'en voulut pas démordre, considérant que cette tenue masculine constituait un outrage au tribunal. Il a refusé d'entendre le témoin. Le cas est sans précédent et on se demande s'il fera jurisprudence. Citons parmi les meilleurs envois récents ceux de Madame Pinton à Marseille, Monsieur Maurice Allaire à Boulogne-sur-Seine, Mademoiselle Elisabeth Mott à Montpellier, Monsieur Bernard Canguilhem à Marly-le-Roi, Monsieur Georges Droz à Paris, Mademoiselle Henriette Matet à Aix-en-Provence, Madame Ougia à Tonnerre, dans l'Yonne. Nous remercions également de leur aimable lettre Madame Denise Musse à Marseille, Mademoiselle Panasuic à Aimance, en Seine-et-Oise, Madame ou Mademoiselle Eliane Pommerette à Paris, et Madame Roux à Saint-Gildas de Ruiz, dans le Morbihan. Le fait divers qui a été retenu cette semaine pour une émission ultérieure a paru le 20 janvier 1954. Le voici. Fantôme alloué. Un habitant de Stuttgart, cherchant comme tout le monde un appartement, avait mis au point une technique qu'il croyait parfaite. Il faisait le fantôme, frappant au mur dans l'espoir que quelqu'un, apeuré, abandonnerait un appartement hanté où il pourrait emménager. Un tirage au sort a décidé que monsieur de Notaire à Luneray, Seine inférieure, recevrait la brochure dédicacée et que madame Renée Scolo à Grand Couronne et monsieur Terreux à Champigny-sur-Marne recevront chacun un roman policier. C'est François Timori qui a accepté d'imaginer et d'écrire pour vous une histoire à partir de ce fait divers. Petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure. Les livres lus par Germaine Beaumont. Jean Le Hallier a écrit toute une série de romans policiers dans lesquels trois personnages, dénommés le Pouce, l'Index et le Major, jouaient le rôle de détectives. Mais de détectives quelque peu enclins à donner eux-mêmes de sévères coups de canif dans les tables de la loi. Voici que les éditions Auray reprennent dans la collection Le Sphinx cette excellente série qui débute par L'épingle chinoise. L'épingle chinoise présente, entre autres mérites, celui de nous montrer les débuts dans la détection de l'avocat Saint-Martin Chassebois.
En effet, au-dessus de l'appartement de Chassebois réside un certain monsieur Patrick Corset, que le concierge de l'immeuble découvre mort et assassiné. L'assassin se présente lui-même à l'avocat quand celui-ci, à la requête du concierge, monte pour constater le crime. L'assassin s'est présenté toutefois sous un faux nom, celui d'un riche vieillard collectionneur d'objets d'art. Un couple assez singulier de domestiques, Maurice le valet et Léontine la femme de chambre, constituent le personnel du collectionneur. De fil en aiguille, et même en épingle, puisque l'assassin se sert comme arme d'un stylet extrêmement fin, appelé en Chine épingle de chignon, de fil en épingle donc, Maurice et Léontine, qui se sont joints à Chassebois, se lancent à la poursuite de l'assassin. Cela nous vaut une chasse à l'homme des plus pittoresques. Finalement, les trois camarades d'occasion, qui ont eu tout loisir de s'étudier mutuellement au cours de l'aventure, feront équipe pour de futurs exploits. Chassebois sera le pouce, Léontine l'index et Maurice le majeur. Il est à souhaiter que nous les retrouvions bientôt, car tout cela est mené dans un excellent mouvement où l'humour se mêle adroitement au drame. Les spectacles vus par Roger Régent. Cette semaine, nous avons sur le plan policier ce qu'il est convenu d'appeler un morceau de choix, avec le nouveau film de Jacques Becker, « Touchez pas au Grisby », adaptation du célèbre roman d'Albert Simonin. Et avant tout, il faut dire que le film est remarquablement tourné. Le rythme est bon, la conduite du récit à travers les images est menée de main de maître, et les acteurs sont dirigés avec beaucoup d'intelligence et de sûreté. Jean Gabin notamment, qui est vraiment de premier ordre. Tout cela d'ailleurs ne nous surprend pas et ne nous apprend rien sur Becker. Nous savons qu'il est un remarquable metteur en scène, l'un des meilleurs que nous ayons actuellement en France. Et c'est justement pour cela que nous lui demandons des comptes. Nous devons exiger beaucoup de lui, s'il ne semble pas exiger beaucoup de lui-même. Un réalisateur de sa trempe perd vraiment son temps à faire toucher pas au Grisby, car son film est très bien fait, bien joué, et il aura sans doute beaucoup de succès. Mais, disons-le, il n'a aucun intérêt. Nous ne sommes à aucun moment retenus par ces personnages qu'on nous montre. Ils sont terriblement détachés et nous restent toujours étrangers et indifférents. Tous les auditeurs de notre émission ont certainement lu le roman de Simonin. Puissent-ils trouver au film de Jacques Becker la saveur qu'ils avaient pu goûter à la lecture du livre? Pour moi, ce n'est ni mieux ni plus mal qu'un bon film américain de série, avec Humphrey Bogart, par exemple, ou, si vous voulez, que La Môme Vert de Gris de Bernard Bordery, un jeune débutant qui ne manque pas de qualité. C'est déjà bien, me direz-vous. Oui, mais pas pour Becker. L'histoire que vous pourrez entendre mardi prochain a été inspirée par le fait divers suivant. Fantôme ou Asmodée ? Lyon. Depuis plusieurs mois, les locataires demeurant au sixième étage dans les combles aménagés des immeubles des 26 et 28 cours Gambetta, dans le quartier de la Guillotière, entendent fréquemment au cours de la nuit des bruits de pas résonnant sur la toiture. Malgré plusieurs interventions, les recherches effectuées par les policiers n'ont abouti à aucun résultat. De leur côté, plusieurs locataires ont déclaré avoir vu, avec certitude, un fantôme se promener sur les toits. Cette histoire, qui est de Yves Jamiac, est intitulée « Les amants de Gouttière ». La radiodiffusion française vous a présenté Faits divers, une émission de Pierre Véry et Maurice Renaud, réalisée par Pierre Billard, au cours de laquelle vous avez pu entendre La chasse du diable, un conte de René Guillot et Le petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure, avec Germaine Beaumont et Roger Régent.